Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, c'est le matin, on est à la bourre. Je me prépare, j'émerge et je reviens. Oui, il y a mon petit assistant aussi. Je viens de me prendre un gros fou rire. En fait, mon petit assistant me dit qu'il a extrêmement mal au coude de la jambe. Ouais, bichette. Mais tu vas y aller quand même. Hey, je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble. Voilà, parce que j'ai plein de petits trucs à vous dire. Donc voilà, hein, je vais maquiller avec vous. Enfin, maquiller, c'est un bien grand mot. Hein. Là, je sors de ma douche, j'ai mis juste mon baume à lèvres. Mon baume à lèvres, c'est... Alors franchement, si je peux vous donner un bon plan, il est aux alentours de 15 ou 18 euros, je crois. C'est le Clarins Hydra Essential. Essentiel. Et franchement, vous le savez, pour celles qui me suivent, vous savez que je suis collectionneuse de baumes à lèvres et que pour l'instant, à part Burt Bees à la menthe, qui est génial, et l'homéoplasmine en pharmacie, qui est hyper agréable sur les lèvres, mais enfin réparateur et tout, mais qui n'a pas une super compo. Franchement, ces deux-là, ils sont géniaux si vous avez des lèvres en lambeaux. Et ben franchement, celui-ci, il est hyper efficace, de ouf. Mon fils, qui a les lèvres toutes fendillées, des petites peaux et tout, malgré le fait de mettre du baume à lèvres tout le temps, il n'y avait rien qui lui réparait ses lèvres, et ben avec ça, nickel. En trois applications, en trois jours à peu près, il a les lèvres impeccables. Et franchement, donc ça fait vraiment hyper gras, tu vois. C'est gras. Tu vois, très très gras. Et ça rentre bien, tu sens que comme s'il y avait de l'eau, des piqûres d'eau qui se mettaient sous tes lèvres. Et franchement, ça répare tout. Il est génialissime. Donc le packaging, c'est comme ça. Clarins Hydra Essentiel, génial. Après, pour le reste, ça va être plus que sommaire. Hein. Néanmoins, j'ai quand même un petit peu besoin d'un ravalement de façade. Avec le froid là, mais oh, ma peau, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas. Là, j'ai des points, là, je sais pas pourquoi. Voilà, mes cernes, hein, je t'explique plus où est la cause, hein. Merci Maria Carré, qui elle maintenant dort. Donc là, je suis en train de me mettre le correcteur de chez Kiko, Full Coverage Concealer en teinte numéro 2. Ensuite, je passe au mascara, le Better Than Sex de Too Faced. Pourquoi je me maquille aujourd'hui? Parce que clairement, quand je suis chez moi, je ne me maquille jamais. Hein. En fait, aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à faire. Attention, phrase de youtubeuse qui arrive tout de suite maintenant. Je dois répondre à mes mails. Alors attention, je casse le mythe tout de suite et je te dis l'envers du décor. Je dois répondre à mes mails, certes, mais je dois répondre à un mail de mon banquier et à un mail de ma grand-mère. On adore. Voilà, donc maintenant vous saurez ce qui se cache derrière. Je dois répondre à mes mails. Et deuxièmement, je dois aller à la poissonnerie. Reste, ne t'en va pas, parce que non, je ne vais pas à la poissonnerie pour aller chercher du poisson. Enfin, si, un petit peu, mais enfin, non, pas vraiment. J'adore détourner les choses, tu vois. Aujourd'hui, je dois aller à la poissonnerie parce que une charmante jeune femme nommée une hirondelle sur un fil, allez voir son Instagram, c'est tellement joli. Elle est fleuriste, elle est lyonnaise, a big up, et elle fait des compositions florales et tout, enfin magnifique. Bref, elle m'a contactée sur Instagram suite à ma vidéo sur les pierres. Et elle m'a dit, écoute, si t'as pas trop les moyens et tout pour l'instant de t'acheter une grosse géode ou une grosse pierre de cristal de roche pour recharger tes pierres, va chez le poissonnier et demande-lui des coquilles Saint-Jacques. La coquille de la coquille Saint-Jacques. T'enlèves le truc moelleux au milieu, hein. T'enlèves l'animal, la bestiole. Et en fait, je suis allée voir sur internet et effectivement... Et la coquille Saint-Jacques, si tu poses tes pierres, enfin une pierre à l'intérieur, ça la purifie et ça la recharge en même temps. C'est dû à sa forme en fait. Enfin,
Je te laisserai aller voir sur internet, je te mettrai un lien sur ce que j'ai lu. Et voilà, donc je me dis, bah écoute, je vais tester et comme ça je pourrai tester je verrai bien suite à une recharge si je sens les vibrations de mon bracelet ou non. Donc je vais tester, je vais aller voir mon poissonnier et je vais lui dire, bonjour, je voudrais une coquille Saint-Jacques s'il vous plaît. Il va me dire 1 kilo, je vais dire non, une. Donc on va voir s'il me l'offre gracieusement ou s'il me la fait payer. Je sais pas combien ça coûte une coquille Saint-Jacques. Du tout. Chez Graines de Paillettes, tu ne trouveras pas. Je vais chez le poissonnier parce qu'il faut que je m'achète une sole. Oh, je vais avoir besoin de vous pour un truc. Attends, en même temps, je me mets mon mascara. En fait, quand tu recharges ta pierre dans ta coquille Saint-Jacques, ils disent d'exposer la coquille Saint-Jacques, enfin le côté carré de la Saint-Jacques, au nord de ta maison. Le truc, c'est que moi, dans ma maison, j'ai pas de boussole. Donc, sans boussole, comment savoir où est le nord chez toi? Ça pourra faire l'état d'un super tuto sur YouTube. Comment trouver le nord sans boussole? Voilà, donc si tu as la réponse, s'il te plaît, indique-moi en commentaire, because I don't know where is the north in my house. Je reste sur ma première idée que je préfère quand même le excessive lash de Make Up Forever, mais celui-là, il est quand même pas mal. J'aime bien l'appliquer comme ça en dessous parce que du coup, tu te taches pas la paupière que si tu le mets comme ça, tu vois. Ces petites astuces comme ça, prends, c'est pour toi. Voilà, je vais mettre un petit peu de couleur peut-être avec le Jumbo couleur caramel là en teinte 411 que j'avais eu dans la Beautiful Box du mois dernier, je crois. Que j'aime trop. Est-ce que t'as vu mon pull? Attends, faut que je te montre mon pull. Avec des arcs-en-ciel et tout. Il fait pas trop Punky Brewster, s'il te plaît. Je l'aime trop, mais de ouf. C'est un pull Pull&Bear que ma sœur m'a donné. Pulpe, si tu passes par là. Je suis hyper à l'aise dedans. Super cool. Et en parlant de ma sœur, it's bientôt son birthday. Je posterai ce vlog après son anniversaire parce que je sais qu'elle regarde pas mes vidéos. Non, non, pas d'entraide entre familles, tu vois. Moi, je me fais pas monter les vues de mes vidéos parce que ma famille regarde. Non, ma famille ne regarde pas mes vlogs. Certains, oui, mais pas beaucoup. Enfin, bref, je vais poster cette vidéo après son anniversaire au cas où elle tombe dessus. On sait jamais si un jour elle a rien à faire et que elle se dit, oh tiens. En dernier recours, il y a les vidéos de ma sœur. Je vais vous montrer ce que j'ai dégoté pour son anniversaire. Franchement, elle va être dingue. Ma sœur, elle est dingue de la marque Urban Decay. Tu sais ce que c'est Urban Decay? Urban Decay. Voilà. Elle est fan de cette marque et elle adore les rouges à lèvres. Qu'est-ce que j'ai trouvé en grande sœur, tu vois, assez qualifiée, je dois dire. J'ai trouvé cette palette. C'est une palette en édition limitée de 12. 12 teintes de rouge à lèvres. Tu vois, tu as 6 mats et 6 métallisés. Voilà, tu as des teintes inédites. Voilà, des teintes inédites, si tu veux, qui sont jamais sorties en rouge à lèvres, en raisin, qui sont dans cette palette. Et tu as les teintes cultes, en fait, des rouges à lèvres. Franchement, mira, mira la beauté de la palette. Elle est à 49 euros, je crois. Tu peux la trouver sur le site de Sephora. Moi, c'est Octoly qui me l'a envoyée. Mais voilà quoi. Hop. Voilà. Je sais que sur Sephora, tu as souvent code promo et tout de moins 20, moins 30%. Et franchement, voilà quoi. À l'intérieur, tu as un pinceau. Tu tires et tu as le pinceau à lèvres. Là. Et tu ranges. Hop. Il se range. Pinceau Advice. Là, tu as un grand miroir. Génialissime. En adore. Et là, tu as toutes les teintes. Donc là, tu as les métallisés. Ici. Et là, tu as les mats. Là, tu vois, tu as les teintes emblématiques ici. Celle-là, mais elle est tellement belle. Big Bang. T'as vu? J'ai pas mis mes doigts dedans. Elle est tellement chou. En plus, voilà, c'est les rouges à lèvres d'Urban Decay. Donc, hein, on sait, on connaît la pigmentation Urban Decay. Tout à fait. Donc voilà. Hop, ce sera le cadeau d'anniversaire de ma frangine.
J'espère que là, je vais être number one devant tout le monde. I hope. Oui, moi, les cadeaux, je suis en compétition avec tout le monde. Non, je rigole, j'en ai rien à péter. Et puis, faire un brin de ménage. Parce que ça brille pas assez, tu vois. Ah oui, fallait que je vous en parle de ça. Non, bah alors, j'étais dégoûtante. Tu sais, je t'avais parlé. Attends, je vais t'amener. Parler du savon noir de Briochin que j'aimais trop. Franchement, je l'aimais trop, un truc de fou. Alors pour ma cuisine, il dégraisse toujours aussi bien. Mais alors sur mon sol, dites-moi si vous ça le fait. Maintenant, ça me fait des traces de malade par terre. Alors que je mets mais vraiment pas beaucoup, tu vois. Je mets la moitié d'un bouchon pour 3-4 litres de flotte, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure des lavages, moi je lave mon sol tous les jours. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des lavages, ça me dépose comme une petite pellicule. Et tu vois, genre, si je bouge ma table basse ou si je bouge une chaise ou que je passe la poussette, je passe avec la poussette chez moi et tout, et ben ça me fait des traces par terre. Du coup, je suis dégoûtée, mais ben, pour l'instant, je l'utilise plus sur mon sol. Pour l'instant, je suis passée au vinaigre. Je lave mon sol au vinaigre blanc. Et effectivement, comme vous m'aviez dit, hein, ça sent au départ, mais après, quand ça sèche, ça sent plus du tout. Et j'ai l'impression d'avoir moins de traces. Mais il faut quand même que cette pellicule parte, quoi. Franchement, je suis au bout parce que c'est hyper efficace. Je vous dis, moi, pour dégraisser ma cuisinière et tout, et là, tout autour et tout, et ben c'est génial le savon noir. En plus. Après, bon, bah voilà, le vinaigre blanc, c'est pas toxique non plus. Moi, j'ai ma fille qui joue souvent par terre et tout. Et j'ai pas envie qu'elle mette ses mains sur un truc qui est chimique, quoi. Donc, le savon noir, c'était cool, mais voilà, inconvénient. Dites-moi si vous, ça vous l'a déjà fait. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que ça lui faisait ça. Voilà, je vous tiens au jus de ma vie palpitante, comme vous auriez pu le remarquer. Allez, je vais répondre à mes mails. Alors pour vous c'est là tout de suite, mais pour moi il s'est passé un petit moment. Je suis allée faire mon expédition à la poissonnerie. Et je suis même allée faire une petite expédition de plus dans un magasin de pierre près de chez moi. Et franchement, ça a été une balade instructive, je te le dis. De plus d'avoir un petit effet blush parce que dehors ça caille sa mémé. Franchement, j'ai adoré cette balade. Je suis allée chez mon poissonnier et je lui ai dit oui, bonjour, alors je travaille avec les enfants et on est en train de faire une composition sur la mer. Je voulais savoir, il manque 4 coquilles. Est-ce que vous en auriez par hasard que vous allez jeter? Et là, il m'a dit, eh bien écoutez, je fais mes décorations de. Oui, il avait un accent du sud, pas de Bretagne. Je fais les décorations de mes plateaux de fruits de mer avec les coquilles Saint-Jacques, je vous les donne. Merci! Bon plan! Si t'as bien suivi, c'est pour recharger les pierres et c'est la forme en fait. Voilà. Donc, je suis quand même passée à mon magasin de pierres pour en savoir un petit peu plus quant à ça. Parce que, alors, quand j'ai dit à ma mère que j'allais prendre des coquilles Saint-Jacques pour recharger mes pierres, voilà, elle rigole encore, si tu veux. En plus, j'ai lu sur internet que ça pouvait aider à dormir si tu places une coquille Saint-Jacques sous ton lit. La dame des pierres m'en a dit un petit peu plus, je te raconte. Donc, je suis rentrée dans le magasin et elle a vu de suite que j'avais des coquilles Saint-Jacques dans ma poussette et elle m'a dit, ça c'est génial pour le rechargement, regardez, donc derrière la caisse, elle avait plein de pierres à elle qui étaient en train de recharger. Ensuite, en fait, ma maman recherche une pierre pour pouvoir bien dormir, elle a beaucoup de problèmes de sommeil et tout. Du coup, elle recherche une pierre et j'ai demandé à la dame quelle pierre pourrait lui convenir et elle m'a parlé de la syalite. Qui était une pierre en fait, en gros la pierre du lâcher prise et que ça fonctionnait super bien. On la recharge la journée dans sa coquille et on la porte la nuit. Donc ben voilà. Hein. Si vous avez une syalite, si vous pouviez me dire si sur vous ça marche. Mais je pense que voilà, je pense que je vais en parler à ma mère. Enfin, je lui ai déjà envoyé un message tout de suite, notamment pour lui dire que ça fonctionnait. Hein, merci, et ne pas me faire baser pour une seule. Et voilà, donc bah, moi, ma mission du jour, ça va être de trouver le nord, déjà. Il va falloir que je nettoie mes coquilles, que je les nettoie, enfin, je vais les nettoyer avec du sel. Et voilà. Je vais vite.
te dire que ça, c'est quand même le méga bon plan. Après, je vais voir en fonction des énergies et tout, comment je ressens mon bracelet. Enfin, elle avait l'air de me dire que c'était super. Et surtout, j'ai vu qu'elle avait plein de coquilles Saint-Jacques dans son magasin et qu'il y avait plein de pierres à l'intérieur. Sachant que, donc, j'en ai pris 4 parce qu'il y en a une pour mettre sous l'oreiller de ma mère au cas où ça marche pour dormir. Une pour recharger mon bracelet en tourmaline. Une pour recharger mon bracelet de 7 chakras. Et j'en ai pris une. Ma mère se trouve son bracelet en cyalite. Donc alors après, elle m'a dit qu'en bracelet, c'était pas mal parce que du coup, elle l'avait sur elle toute la nuit. Mais qu'en pierre brute, c'était encore plus efficace. Voilà. Bon, eh ben écoute, il est 11h. Il est quelle heure? Ouais, j'ai réussi à régler mon four. Depuis que j'habite dans cet appart, ça doit faire 7 ans. Je n'avais jamais réussi. Et regarde, j'ai réussi à régler mon four! Il est 11h15, génial. Et je vais faire à manger à Maria Carré. J'ai pas la flemme cet après-midi, j'aimerais bien faire des lasagnes. Hier, j'ai fait des courses, j'ai acheté une blinde de mozzarella. Tu vois, j'ai eu une envie folle de mozzarella et de courgettes chèvres. Tu mets des courgettes en rondelles dans une poêle avec, tu sais, les rondins de chèvre là. C'est délicieux. Voilà, écoute, je te reprends quand il se passe un truc intéressant dans ma life. Je te jure, là, je suis à la recherche du nord dans mon appart. J'ai l'impression que je suis dans Game of Thrones. We are looking for the north. Hashtag Jon Snow. C'est re-moi. En fait, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait orienter votre coquille Saint-Jacques vers le nord. C'est pas le carré qu'il faut orienter nord, c'est le côté ouvert de la Saint-Jacques. Donc là, le nord, il est derrière moi, là-bas. Donc j'orienterai mes coquilles comme ça. Voilà, petite rectification, ce qui me semble très importante. Voilà, donc effectivement, je vous mettrai en barre d'infos plein de sites que je regarde là depuis tout à l'heure, qui sont hyper intéressants. Donc voilà, là j'ai préparé un petit bol. Je vais mettre du sel dedans et je vais laver mes coquilles. Et puis je vais commencer à recharger mes bracelets. J'ai trop hâte. Apparemment, ça décuplerait la purification, le taux énergétique de la pierre et tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et une hirondelle sur un fil, je te remercie pour le filon. Oui, c'est ça que je voulais vous dire en fait, parce que vous vous dites, la dernière fois, je vous ai présenté mon améthyste que mon fils m'a pété entre-temps. Voilà, il y a des petits morceaux, mais bon, une pierre cassée, tu peux t'en servir aussi. Je vous avais présenté mon améthyste pour recharger mes pierres. Donc la dame en fait à la boutique de pierres ce matin m'a dit que c'était très bien pour recharger les pierres, mais en géode, c'est-à-dire en très grand. Si tu sais pas ce que c'est une géode, va voir sur Google Images et tu verras, mais c'est très grand. Elle m'a dit que là en fait ma pierre elle était trop petite et que du coup elle se chargerait trop en mauvaise énergie que ma pierre va lui rendre et que du coup bah, c'était pas assez efficace. Qu'après, de toute façon, quand vous avez des pierres améthystes comme ça, il faut que vous les purifiez, nettoyez et recharger aussi pour qu'elles puissent recharger vos pierres. Parce que en fait, le cristal de roche qui peut aussi servir pour recharger les pierres, lui, il n'a pas besoin d'être purifié. Tandis que l'améthyste, elle prend le négatif en fait. Du coup, il faut la purifier et la nettoyer quoi. Voilà. Mais si vous rechargez vos pierres, sachez qu'il faut une géode, un truc assez grand quoi. Ou alors les coquilles Saint-Jacques, gratos chez le poissonnier. Et voilà, je viens d'aller récupérer mon petit assistant à l'école. Tu dis bonjour. Bonjour. Donc là, c'est l'heure du goûter et j'ai découvert un truc de ouf. Alors je sais que c'est pas nouveau du tout, mais moi j'avais jamais goûté en fait, et mon mec a oublié ça dans ma voiture, et tout ce qui est dans ma voiture bien évidemment, ça devient à moi. Ah! Du coup j'ai goûté, parce qu'il y en avait deux, mais j'aime trop. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un sachet de 40 grammes, et 100 grammes ça fait 326 calories. C'est des morceaux de fruits en fait, en stick, 100% fruits, sans sucre ajouté. Mais c'est trop bon. Alors là, j'ai mangue passion. Oh, laisse tomber. Non, mais hier, le sachet, il a fait 10 minutes. Je te jure. C'est comme ça. En fait,
C'est exactement comme de la pâte de fruits, mais beaucoup moins sucrée, mais vraiment beaucoup moins, genre tu sens le fruit en fait. C'est un fruit en forme de pâte de fruits. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de sucre dessus. C'est pas du sucre, là, c'est une sorte de miette. Mais grave, t'as l'impression en fait que c'est un jus de fruits solide. J'adore. Donc voilà. Super découverte et je vais l'acheter. Je vais en acheter aux fruits rouges parce que ça doit être vraiment une tuerie. Déjà, celui-là, génial. Sinon, cet après-midi, j'ai eu la grosse flemme de faire mes lasagnes. Je sais pas si je vais les faire. Si tu voulais me voir faire des lasagnes, en fait, et que tu n'as pas vu ma vidéo cuisine, y a la recette des lasagnes sur ma chaîne. Lasagne végétarienne et lasagne classique. Je vais clôturer le vlog ici. Franchement, ça a été une super journée, hyper enrichissante aujourd'hui. Tu t'attends pas à ce que la journée t'enseigne plein de choses. Et ça a été le cas de ma journée. Je suis super contente que ça ait été une journée de vlog, tu vois. J'espère que ce vlog t'a plu. Donc, ben, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et puis je vous en ferai plus. Voilà. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Non, tu l'as fait trop tôt. Ah non, ça fait dictateur. Ça va pas. Vidéo pipi caca poubelle vomi. Ciao.